Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de map parcours sur Minecraft. Voici sur la map parcours Blockception 5 parcours de Monsieur Blue Man. Comme d'habitude, The Blue Man, notre héros, notre expert en map parcours, avec Benjamin 874 aussi apparemment qu'il a aidé sur cette map, je suppose, yes. Et d'ailleurs, oui, pour ceux qui sont perturbés, ce n'est pas un mur de blocs derrière, c'est un énorme mur de blocs. Tous les blocs que vous voyez sont gigantesques. Donc c'est un petit peu le principe de Blockception, c'est qu'on fait du parcours dans des blocs version XXL. Et du coup, c'est des blocs dans des blocs dans des blocs des fois, parce que vous voyez là, par exemple, ça c'est un bloc, mais on est dans un plus gros bloc. Donc c'est comme Inception, sauf qu'il y a des blocs et il n'y a pas Leonardo DiCaprio. Donc ouais, il y a juste moi. Vous devez vous contenter de moi. Oh, c'est tellement bien fait. On a un 1.7 d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il y a de Deep Slate. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça rajoute de la décoration. Vous voyez qu'il a fait la texture de la Deep Slate avec genre des blocs d'iron. Un peu particulier, mais ça marche plutôt bien, franchement. Est-ce qu'il utilise au moins des blocs de Deep Slate pour faire la texture de la Deep Slate? Je ne sais pas. Dans tous les cas, commençons. C'est du parcours, c'est simple, c'est efficace. Il y a juste à le faire. Et c'est tout ce qui compte. Checkpoint. Ah, oh fuck, il me faut de l'élan pour celui-là. Oups. Ok, premier fail, j'allais dire. J'ai fail en revenant en arrière, c'est ça le pire. Hop, hop. Oui, avec de l'élan, c'est plus facile. Et je ne parle pas de l'animal, évidemment. Ok. Ok, il y a les flèches à gauche, donc ça m'a perturbé de me dire « Oh non, je ne suis pas passé à gauche, je passe à droite. » Mais en fait, ça, c'est pas grave. Ouh, la vache! Ouh la vache, ouh, on se retrouve face à un beaucoup plus gros cube. Wow, 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 ok. Block number 2, dropper. Ne me fais pas coucou comme ça, t'as un problème avec tes jambes, ok? Tu fais un petit peu peur comme ça, The Blue Man. Ah oui, c'est le double jump, j'allais oublier. C'est vrai qu'il a fait un double jump. Oh, il marche tellement bien encore une fois. J'adore ce double jump pour ceux qui... C'est pas par là que je vais le passer. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, en fait, il vous met une paire d'élytras sur le dos. Et quand vous activez les élytras, en fait, il vous retire les élytras, il vous fait sauter un coup. Enfin, c'est pas qu'il vous fait sauter, c'est qu'il vous donne un effet de lévitation, je pense. Ouais, c'est ça. Et ça marche hyper bien, franchement. Hop! Checkpoint! Yeah, boing! Oh yeah, ça s'enchaîne bien. J'aime. Franchement, je pourrais juste faire des maps de The Blue Man encore et encore et encore jusqu'à l'infini. Oh là, ok, j'allais dire. Wow! Bzoum. Nous traversons un nouveau bloc. Maintenant, nous sommes dans le bloc de... Qu'est-ce que c'est que ce bloc? C'est celui qui permet de respawner dans le Nether. Enfin, oui, de respawner dans le Nether, il me semble. Hein. Ça y ressemble. J'ai pas trop pris le temps aussi d'admirer le décor, mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de décorations. Hein. On a par exemple là des champignons du Nether et tout, c'est bien fait. Ah oui, alors ça, c'est un truc de lévitation. Oh, ok. Et fail. En plus, il me soutient. Ah, oh, t'as récupéré tes jambes normales, c'est cool. Je suis content pour toi, franchement. Parce que tu faisais un petit peu peur avant. Donc, ouais. Il vaut mieux que tu gardes tes jambes normales, on va dire. Oh, j'en ai juste un petit peu trop sur celui-là. Voilà. Et du coup, je ne finis pas au bon endroit exactement qui me convient. Hop. C'est un bloc de basalte, ça? Mais basalte. Hop. Vous savez que c'est bien fait si vous avez arrivé à reconnaître les blocs. Donc là, on est dans le Nether, hein, clairement, ça se voit. Il a même fait une petite décoration par-dessus le portail. Bien foutu, hein. Ce. Ok. Ce. Non. Non, ça, c'était pas. Ok. Ce. Voilà, ça marche beaucoup mieux. La texture de quartz aussi est bien foutue.
Ce. Boing. Ok. Wow. J'y étais à l'arrache. Oh, et là j'ai... Ok, ça commence bien. J'y étais à l'arrache et je ne savais même pas où je devais aller. Et voilà, ça marche mieux quand on coupe court. Nickel. On avait même... Ouais, franchement, celui-là, il était limite même pas nécessaire. Ouais, il était nécessaire parce qu'il y a 5 blocs, mais bon. J'adore les petits drones. Ok. Ce qui me perturbe, en fait, c'est qu'ils sont légèrement trop proches, limite. Mais trop loin à la fois. Le troisième est plus haut, quoi. Ouais, il est plus haut. Ah, c'est ça que je me perturbe. Ok. À partir du troisième, c'était pas la même hauteur. C'est ça que je... Je faisais quelque chose pour les deux premiers, je me disais ok c'est bon, et puis après pour le troisième je faisais la même chose, sauf que non, fallait pas en fait. Donc ouais, j'étais très perturbé. Bon, j'ai toujours été perturbé, mais là, plus que d'habitude en fait. Hop. Ah, l'habituel double. Hop. Suivi d'un simple. Un petit checkpoint. Ah, je les maîtrise maintenant, les double jump. On a fait toute une map avec, donc maintenant je suis... Entre... Oh fuck. Et ça complète le niveau de Never. J'ai 28 morts. Non. Une petite erreur, là, je suis à zéro, en fait. Ok, on a un bloc, c'est le bloc de Smoker. Ah, oh, une petite maison et tout. Ah, oh, c'est bien foutu. Ah. Oh, Snake. It's Snake time, bitches. J'adore les snakes. Hop. Hop. Ok. Allez, Snake, plus vite. Ok. Ah, j'adore cela. J'adore les double jump comme ça. Il y en a déjà fait deux de ma parcours, mais. Avec des double jump comme ça, mais. Une troisième. Je dirais pas non, une petite troisième, honnêtement. Ok. On monte avec le snake. Ok. On attend qu'il passe. On attend qu'il repasse. Et c'est bon. Oh fuck. Hop, hop. Et checkpoint, triple snake. Lui, en premier. Voilà. Oh non! Voilà. Hop. Oh, le petit bloc juste pour embêter. Oh, ce traveling à chaque fois. Level 40 sur 110 d'ailleurs qu'on est. C'est quand même une plus grosse... C'est quand même une assez grosse map. Ouh, un temple de Guardian. Ouh, les petites plateformes mouvantes. Ok, avec des... c'est des shulkers, ça, pour ceux qui se demandent. Ouais, appliquer... des textures de blocs comme ça aux shulkers. Et puis juste les bouger, en fait, vu que c'est des entités, quoi. Et ça marche hyper bien. Surtout que les shulkers ont une hitbox similaire à... aux blocs. Donc c'est pour ça que vous pouvez les utiliser de cette manière. Ok, ouais, je vais juste rester dessus pour le moment. Voilà. Ce. Wow. Ce. C'était tout à fait ce que j'avais prévu de faire, évidemment. Ok, là, c'est bon. Bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge, il y en a une autre juste après. Oh, celle-là, ça devrait être un petit peu plus facile, ouais. Ah, celle-là, ça...
devrait aller, je suppose, oui. Ok, checkpoint. Yes. Oh, elle est plus rapide celle-là. Oh, elles sont plus rapides celle-là. Oh, dame. Ok. À mon avis, il vaut mieux sauter dessus. Oui, quand elle est en train de se déplacer. Voilà. Oh, la vache. On peut. Ouais. Est-ce qu'il en avait mis. Oui, non, il en avait mis des aussi rapides sur la map qu'il avait fait une fois. Il faut limite se déplacer à pleine vitesse dessus. Là, je sprintais. Hein. Hop. Oh. 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 Oh la vache, j'ai un snake maintenant. Ok. Snake. C'est toutes ces maps combinées en une seule map maintenant. En quelque sorte. C'était juste pour tester le timing de la plateforme, évidemment. Ce n'était pas comme si je comptais arriver correctement. Hein. Non, non, non. Hein. Oh, wow. 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 Ah, une petite pause, parce que là, c'est plutôt compliqué. Je vais juste légèrement plus vite que les plateformes si je sprint en vrai. Donc ça va, on peut rattraper du retard, comme ça. Très important. Allez, du double jump, on enchaîne. Oh non, j'ai essayé de sauter sur le drone. Ça ne marche pas comme ça. Ok. J'étais concentré là. Oh. Ce. Oh. Oh. Ce. Oh la vache. Elles sont tellement rapides ces plateformes. Et ils les avaient bien mis sur la dernière map d'ailleurs, je m'en souviens maintenant. J'avais aussi galéré à ce moment-là. C'était le bon vieux temps. Là, ça va, elles sont suffisamment lentes. Oui, j'ai voulu sauter trop tôt et j'ai sauté dans les airs puis je suis revenu en arrière. Ok. Check fini. Boum. On traverse. Un bloc de diamant en deep slate. Ok, nice. Oh, avec... là, c'est ce qu'on avait vu à peu près du spawn. Enfin, ça ressemble à ça. Bien foutu, hein. On est dans une... On est dans une Lush Cave, yes. Speed. Nous avons les plateformes flottantes et c'est bon. Checkpoint. On enchaîne bien. 110 levels quand même. Elle est longue cette map. The Blue Man aime bien faire des maps assez longues. Au grand... On va dire au grand mécontentement du monteur de la vidéo qui est en mode... Ouais, je vais devoir compresser une heure de vidéo en 30 minutes. Et le truc c'est que... Tout est intéressant dans la map parcours, donc c'est dur de compresser. Il faut qu'ils choisissent les moments les moins intéressants dans les plus intéressants. Bonne chance. Hop. Bonne chance, Vindict. Numéro 7. Oui, il me semble avoir viré le 6, je ne sais plus. Hop. 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 Checkpoint. Hop. Limite, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus courte. The Blue Man. C'est cool des maps hyper longues, juste légèrement plus courtes.
100 levels aurait suffi, même 80 levels honnêtement suffi, je pense, pour la plupart des gens. Hop. Après, je sais que les gens aiment bien des maps parcours longues parce que bah, c'est cool, quoi. Dure plus longtemps. Là, je pense. Donc, je suis. Ou j'allais dire le truc va s'enlever, mais non. Ok, est-ce qu'il va me faire le même coup de changer la hauteur? Oui, c'était changé là. Fini. C'est 10 levels par bloc, hein, basiquement. Donc ça veut dire qu'on a encore genre pas mal de blocs. 5. 5 blocs, ouais. Yes. Ok. Bloc numéro 7. Sticky piston. Ouh, j'aime quand c'est sticky. Ok. Oh, nous avons le quadruple. Non, le triple ici. Est-ce qu'il a changé? Non, oui, il a changé la texture du triple. C'est bon. C'est bon. Il a même donné un extra, là, franchement. Avec deux, on aurait pu le faire. Hop. 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 Échelle. Oh. Vous n'avez rien vu. Hop. 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 Ouh, ok, c'est bon. Droite ou gauche? Droite. Ok. It's a trap. Checkpoint. Oh, ok. Lève là les sticky. En vrai, on a déjà eu ça avant, donc c'est pas vraiment ça. Oh. Il doit y avoir un sticky piston quelque part. Là, c'est le lodestone. On est encore dans une sorte... Bah, c'est pas une lush cave ici, c'est plus un biome... unique en vrai, parce que ça n'existe pas dans Minecraft. Il y a des plantes mortes et tout ça. Hop, une petite décoration des plus sympathiques, dirons-nous. Drone me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Les slime blocks me font rebondir, je rebondis. Checkpoint. Snake! Ok, c'était facile, pas vraiment. Oh, checkpoint, Snake. J'aime bien Snake, Snake. Non, je déteste Snake. Vas-y. Ah, c'est plus difficile quand on n'a pas le truc. Attendez, je vais me permettre ceci. Ce. Même en faisant mon petit cheat, ça n'a pas marché. Mais je pense que le petit cheat est la meilleure façon de le faire. Yes. Ok. Ah! Pas assez rapide. J'ai pris trop de temps à regarder où je devais aller. Oh! J'étais trop rapide là par contre. Ce. Hop. Checkpoint. Fini. 70. Allez. 70. Si vous préférez. Oh! Ah, ok, je vois. Trop tôt. Vous entendez le bip bip bip? Oh fuck, j'ai été trop vite. Ça va devenir répétitif comme bip. Bip, be, 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 bip, be, 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 bip, be, 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 bip, be, 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 bip, trop rapide. Be,
B, B, bip, B, 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 bip, B, 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 bip, trop, B, 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 bip, B, 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 bip. Ça va juste être ça, cette partie de la vidéo. Trop vite. Je vais trop vite à chaque fois. B, 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 bip. C'est juste ça. Il n'y a même plus de commentaires. C'est juste moi qui fais mes bips. Biba, biba, boop. Oh, il est désactif quand il n'y en a plus. Oh, c'est bien foutu, ça. J'étais pas assez... Enfin, j'étais pas sûr que je puisse tout faire. Donc, j'ai attendu. Ah, ça, c'est nouveau, par contre. Hein. C'est nouveau sur la map. J'ai pas vu d'autres maps de lui avec ça. Donc, c'est plutôt cool. Une nouveauté. Nice. B. Bip. Je suis tombé, mais c'est pas grave. B. 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 Bip. B. 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 Bip. C'est fini. Pour cette partie-là, en tout cas. 80 sur 110. Magnifico. Bloc numéro 9. Redstone. Nice. Oh, ceux-là, ils sont horribles. Oh. Ah. Est-ce que je peux les enchaîner? Est-ce qu'Aurélien peut enchaîner les blocs? Non. Quel indignitaire. Peut-être dans l'autre sens si j'attends. Voilà. Ah, presque, presque, presque. Pas vraiment. Faut attendre. Hop. Alors je déteste ça. Ah. Ah. Ok, c'est bon. Oh non, il y en a plus. Ah. Ah. Je sais même pas pourquoi j'ai sauté maintenant. Ok, ok, ça s'enchaîne normalement, voilà. Oh, vache. La vache. Il faut vraiment y aller. Voilà, maintenant. Ah. Pas perdre de temps. Ouh la vache. Oh. Ah. Oh. Hi. Oh. Le temps de me retourner, j'étais déjà tombé. Incroyable. J'adore. Oh. Droite. Hop. Viens voir papa. Doucement, doucement, doucement. Yes. Doucement, doucement, doucement. Yes. Off. C'est juste moi qui fais des bruits maintenant. Après le bup, 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 bip. C'est juste moi maintenant qui est en mode... Ah! Oh! Ah! Oh! Je suis comme un personnage de jeu vidéo, en fait. Je suis comme Link, en fait. Yes. Je suis juste Link, en fait. Je suis juste en mode... Wow! Wow! Rah! 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 À mon avis, c'était... plutôt bon niveau timing, mais pas vraiment. Ok, il faut que je vraiment que j'y aille quand le bloc commence. Juste pointer le bout de son nez. Oh, même là, maintenant. Oh, la vache. Donc là, on va sauter maintenant. Et on va espérer pour le mieux. Wow. Ok, c'est vraiment au poil de cube. Oh, la vache. Jump. 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 Ah, j'aurais dû passer à droite. Quand tu veux. Et... Oh, est-ce que c'est un quad? Enfin notre premier quad. Excellent. Oh yes, j'adore les quads. Quad double jump. Donc c'est du quintuple jump techniquement. Bing. Il faut que je les économise en fait. Pour le moment où je perds mon lévitation. Voilà. Yes. Ok. Tout va bien. Je vais bien. Wow. 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 J'ai toujours du mal là-dessus. Ok. Wow. Je bouge trop en fait. C'est ça le problème. Oh. Et là je me suis accroché au bloc.
Le plus perturbant, c'est quand on avance et que le bloc avance en même temps. Genre, c'est extrêmement perturbant, je trouve. Checkpoint. Snake. Ah, mais il y a une mouche qui m'embête. Leave me alone. C'est plus l'été. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que font les mouches pendant l'hiver? Je me pose la question. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles hibernent? Yes. Oh, 89? What? Attends. C'est peut-être parce que je suis pas encore arrivé à l'autre truc. Parce que je devrais être à 90, non? À moins qu'à la fin, il y ait un petit peu plus de level. Ouais. Oak log. Ok. Hop, hop, hop. Hop. Ok, droite. Gauche. Et c'est bon. Checkpoint. Oh non, les revs là. Ok. Et j'attends. Ouf. Eh ben, ils sont pas faciles hein, ces trucs de rythme là. Faut des fois être au parfait moment. Mais c'est faisable. Ok. C'est cool d'avoir un nouveau concept dans ces maps parcours, mais je me dis que s'ils continuent d'en rajouter comme ça à la fin, ces maps parcours seront des Frankenstein de je ne sais combien de concepts différents l'un collé sur l'autre. C'est peut-être un peu abusé. Hop, ok. Check the bar juste là. Checkpoint. Oh non, je ne devais pas l'utiliser maintenant. Tout était parfaitement prévu. J'étais là où je devais être, ok. C'est bon. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Checkpoint. Snake point. C'est bon. Yeah, 99. Ok, donc il y a bien un level. Il a retiré un level avant pour qu'il y ait un petit dernier level, à mon avis. En plus, ok. Bloc numéro 11, Nether Gold Ore. C'est the big daddy. Celui qui est le plus compliqué. En toute logique. Hop, beaucoup de choses sont censées être en toute logique. C'est non. Là. Checkpoint. Oh oui. Ok. Oh yeah. Il y a un bloc invisible que quelqu'un aurait oublié. Ça c'est la malédiction du youtubeur. C'est que vous faites une map, vous faites n'importe quoi, vous laissez un youtubeur y jouer, il trouvera toujours le bug. Toujours.
systématiquement. Le truc que vous avez jamais... Vous avez testé le truc pendant 500 heures, vous ne trouvez aucun bug. Le YouTuber, il joue une heure, il a trouvé le bug. C'est systématique. C'est la malédiction de YouTube. C'est bon. Ouh là là, j'ai réussi du premier coup, techniquement. Oh. Nah. Snake, tu m'as trahi, Snake. Il y a un bloc en haut, là. Arf. Ok. Hop. Ok. Hop. Ok. Checkpoint. Gauche ou droite? Ah. Gauche, c'était mieux. Hop. Soyons un gauchiste pour cette partie du parcours. Oh, parfait. Je suis... Ah non, c'est bon. J'allais dire que je suis trop chaud parce que j'ai pris un trop long chemin dès le début, mais non. Là, par contre, où la vache, celui-là, il est... Ouf. Des fois, en fait, il faut attendre d'avoir atteint l'apogée. Parce que ça rebooste un petit peu. Ouais! Yes, j'ai réussi! C'était le dernier level! Wait. Hey! C'est quoi cette arnaque là? 109 sur 110. What? Je me sens arnaqué. Arnaqué. 1h, 3 minutes et 42 secondes. Pouvez-vous faire mieux? Mettez votre temps dans les commentaires. Si vous faites mieux, vous gagnez 56 points internet. Merci à tous d'avoir regardé cette map parcours. J'espère que vous avez bien apprécié. C'était Blockception 5 de Monsieur The Blue Man ainsi que Benjamin. Oui, Benjamin, oui. 4874. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.